بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Merci aussi pour Dr. Boualem Djouhri, toujours là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations, Dr. Djouhri, marhaba. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone qui va s'afficher sur l'écran 00213-21-23-98-91. Aussi, nous mettons une adresse email, c'est avisreligieux@gmail.com. avisreligieux@gmail.com. Et nous commençons, Docteur Djouhri, à répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. La première question est la suivante. Je voudrais savoir s'il est permis de jouer au jeu suivant. Dans des magasins, on demande au client de remplir une feuille en mettant son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Puis de glisser la feuille dans une urne. Ensuite, un tirage de sort est réalisé à une date fixe. Et le client sélectionné gagne une voiture. Est-ce que ce type de jeu fait partie des jeux de hasard, al-qimar? Est-il permis d'y jouer? Peut-on faire l'analogie, al-qiyas, avec le fait de tirer au sort pour choisir des personnes qui iront faire leur pèlerinage? Comme cela fait dans certains... Bon, laissons la première partie. Inch'Allah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sharif al-Azizur, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Du moment que le client n'a jamais versé, c'est-à-dire une somme, on ne peut pas intégrer ce type de jeu, si on veut le qualifier de jeu, dans les jeux du hasard. Parce que il n'y a pas versement ou contrepartie de celui qui prétend à ce cadeau, on va dire. C'est un cadeau choisi par la société, choisi par le magasin, le supermarché, etc. Bien sûr, il y a un petit louche, c'est-à-dire c'est une manière d'attirer peut-être de la clientèle, mais c'est pas vraiment, c'est-à-dire exactement pour cela que celui qui va mettre son nom sur ce bout de papier a cette intention là d'être un client. Bon, du moment qu'il est déjà client, il vient, il n'a pas l'intention, rien que pour gagner... Il n'est pas venu justement ou seulement pour jouer. Qu'il fasse ça, après qu'il fasse ses achats, soit hebdomadaires ou quotidiens, etc. Sans donner un sou pour le jeu. Voilà, sans verser un sou, voilà, sur le jeu, ça le sortira, inshallah, des jeux du hasard. Et cette façon-là deviendra halal pour lui s'il gagne ce cadeau-là, du moment qu'il n'a pas eu l'intention, rien de, c'est-à-dire d'y aller à ce supermarché ou à ce magasin rien que pour ce jeu-là, et puis il en a l'habitude d'être client de ce magasin-là, alors toute chose qui viendra comme cadeau lui est halal. Merci docteur. Ouais, je rappelle que nous avons mis un numéro de téléphone pour que vous nous appeliez. Le numéro va s'afficher sur l'écran. La deuxième question, docteur Djouhri, c'est j'ai acheté des actions afin de revendre avec profit. Il a acheté des actions afin de les revendre avec profit il y a plusieurs années, 3 ans. Sauf qu'actuellement, la valeur de ces actions est inférieure à la valeur de mon achat initial, soit une perte de 20%. Je souhaite donc savoir si je dois les revendre à perte dès maintenant ou attendre de récupérer le montant initial d'achat sans plus-value. D'abord, c'est...
C'est-à-dire, c'est votre choix. Et la bourse est faite ainsi. C'est une décision que vous allez prendre. Et la charia n'a pas à y rentrer dans cette transaction du moment que vous avez pris tous les risques d'avoir un bénéfice ou peut-être de perdre, c'est-à-dire le rasselmel, comme un goulon. Hein? Le capital. Le capital. En effet, désormais, ayant connaissance du caractère illicite de la bourse... Non. C'est pas... La bourse, elle est permise. Elle n'a pas ce caractère. Elle n'a pas ce caractère illicite. Sauf si l'investissement est dans une chose qui est à la base illicite. C'est-à-dire soit un investissement dans l'alcool, dans la vente, je sais pas moi, du porc, ou etc. Ça, c'est illicite à la base. Mais sinon, acheter des actions par la bourse, c'est permis pour le musulman. Bien sûr, il y a le risque de la perte, il y a le risque. Très bien, je souhaite mettre un terme à ceci. Autre chose, j'ai acheté mes actions avec le salaire de mon activité. Cependant, ayant effectué un emprunt auprès de ma mère depuis 8 ans, je devais restituer cet emprunt que j'avais réalisé pour l'achat de mon appartement. Grâce à mon emploi, j'ai pu rassembler le montant emprunté. Cependant, au lieu de rembourser l'emprunt à ma mère, j'ai investi en bourse le montant. C'est une aventure. Je dois donc toujours la somme empruntée à ma mère, sauf que je ne sais pas si je dois me débarrasser immédiatement de ces actions à perte ou attendre. Également, dois-je payer la zakat sur cette somme investie en bourse? Docteur Touré, on va laisser la réponse de cette partie après avoir répondu. Nous avons au bout du fil M. Didi de Hollande. Allô? Allô, oui. Je suis un peu bien. On n'a rien entendu. Pardon? Monsieur Didier. Très bien. Très bien. Marhaba. Didier, oui. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. Elle a téléphoné de la Hollande. Puis à mes cousins, j'ai 73 ans. Là, je n'ai jamais fait de ramadan. Je veux savoir maintenant. Vous n'avez jamais jeûné ramadan? C'est ça. Vous n'avez jamais jeûné ramadan? Oui. Alors, je veux savoir comment ça me régler ça avec mon Dieu, avec le marbre qui précède. Est-ce qu'il a la capacité de jeûner? Quelle serait. Il a 75 ans, il peut voir des conséquences. Comment faire pour l'attraper Est-ce qu'il en a la capacité Est-ce que vous avez la capacité de jeûner pour attraper, par exemple, par rapport à votre santé? Oui, des médicaments, je prends des médicaments le soir, tu vois. J'espère, Inch'Allah. Vous avez la... Je n'ai jamais cru, mais je vais essayer, Inch'Allah. Apparemment, est-ce que vous avez une maladie chronique, par exemple? Non, pas du tout. Qui vous empêche de jeûner? Non. Ben, par rapport à l'âge, quand même. Alors, on va vous répondre, monsieur. Alhamdoulilah, qu'il a retrouvé le bon chemin. Et qu'il cherche à, en quelque sorte, renouer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah le guide davantage pour être pieux dans les jours qui vont venir. Du moment que vous savez déjà que vous avez péché entre vous et votre Créateur, vous êtes invité à rembourser. Vous avez délaissé le jeûne du mois de Ramadan. Vous êtes invité à rembourser toutes les journées que vous avez délaissées depuis l'âge de la puberté. Si vous en avez la capacité, bien sûr, de jeûner, de rembourser, ça. Normalement, qu'il commence, malgré. Sinon, on n'a pas la capacité, qu'il fasse l'expiation et qu'il rembourse avec une fidia pour chaque jour.
Parce que de ce moment, de ce jour, inchallah, jusqu'à c'est-à-dire à la fin de votre vie, le remboursement sera toujours obligatoire à votre égard. Du moment que vous avez une obligation, si vous ne pouvez pas la faire, vous pouvez procéder par ce qu'on appelle la fidia, c'est-à-dire nourrir un nécessiteux pour chaque journée du mois de Ramadan que vous avez délaissé. Peut-être vous avez une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de mois, vous allez calculer et vous allez sortir, inshallah, une fidia, c'est-à-dire la valeur, c'est la moitié de zakat al-fitr. Mm-hmm. Ah, la moitié de zakat al-fitr. Si le zakat al-fitr, cette année, peut-être de 5 euros, j'ai entendu dire aussi qu'elle s'est élevée à 7 euros, alors la fidya sera la moitié de la zakat al-fitr. Vous allez vous acquitter du nombre, c'est-à-dire de jours, pour chaque jour, 3,50 euros pour chaque journée que vous avez délaissée. Plus, bien sûr, une expiation, on va dire, pour chaque mois. Une expiation pour le mois, pour vous faciliter la tâche. Un seul mois. C'est pas pour chaque jour. Là, pour chaque mois. C'est-à-dire 50 mois, 50 expiations. 30 mois, 30 expiations, etc. Vous essayez de commencer si vous en avez les moyens. Et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre. C'est kafara. Kafara. C'est-à-dire peut-être nourrir 60 nécessiteux pour chaque mois. Alors 30. Plus 60. Ça veut dire il y aura pour chaque mois 90 nécessiteux et vous allez multiplier par le nombre des mois de Ramadan que vous avez délaissé. Le fait de commencer à rembourser ça... supposons que c'est 3,5 euros. Voilà. Maintenant 90 fois 3,5 euros très bien. Fois le nombre de mois. Voilà. Très bien. Voilà. Fois le nombre de mois. Si vous en avez les moyens, essayez de vous en acquitter. Si vous n'avez pas les moyens, essayez de commencer partiellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala va prendre en considération votre intention et votre dévouement pour récupérer, inshallah, ce que vous avez délaissé. Inshallah. Pour la deuxième partie de la question, c'est oui. Ayant effectué un emprunt auprès de ma mère depuis 8 ans, je devais restituer cet emprunt que j'avais réalisé pour l'achat de mon appartement. Anne, est-ce que le fait que n'a pas commencé à rendre... Non. Sa question se focalise sur la zakat. Est-ce que c'est lui? Avant la zakat, au lieu de... C'est-à-dire bon, il y a un petit péché dans cela, bien sûr. Normalement, quand on a la somme, on est aisé pour rembourser ses dettes, on doit commencer d'abord par rembourser ses dettes. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Matlul ghani yi zulmun ». C'est-à-dire celui qui en a la somme avec laquelle il peut rembourser sa dette et puis il délaisse et il retarde ce remboursement-là, il a commis un tort. Voilà, il a commis un tort à autrui. Et pour la zakat Et pour la zakat, c'est à sa mère, bien sûr, c'est-à-dire c'est elle qu'on a la possession de cette somme-là. C'est à elle de verser la zakat. Mais si, bien sûr, cette dette-là a pris un certain temps pour qu'elle lui soit rendue, là, elle doit s'en acquitter seulement le jour où elle va percevoir ce remboursement, cette somme remboursée de la dette. Et puis, elle la rajoute à sa... totale richesse et elle doit après, s'il y a bien sûr un ultimatum, s'il y a une date à laquelle elle débourse sa zakat ou elle s'acquitte de sa zakat, elle doit c'est-à-dire s'en acquitter une autre fois. C'est clair, docteur. Voilà.
elle s'acquitte le jour où elle perçoit cette dette-là, et puis elle la rajoute à la totalité de sa richesse, et elle refait la zakat. Très bien, docteur, merci. La troisième question, assalamu alaikum. Alaikum salam. Mes parents ne sont pas d'accord que mon mari soit revenu à la maison. Ils m'ont dit qu'ils veulent plus me voir car j'ai pardonné à mon mari. Ont-ils le droit de me faire ça? Non, ils n'ont pas le droit, même qu'elle soit divorcée, sauf qu'elle soit divorcée la troisième fois. Mais apparemment. Voilà. Mais du moment que son mari peut-être l'a divorcée une seule ou c'est pour la deuxième fois, là, il en a, et elle en a, bien on sûr. On n'a pas détaillé si c'est un divorce ou là, c'est une... on ne sait pas. Normalement, ça doit être peut-être un divorce. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « وَلَا فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ » C'est-à-dire, n'essayez pas de faire pression sur vos filles pour qu'elles ne reprennent pas leur mari après premier ou deuxième divorce, si ils ont s'ils sont arrivés à un accord entre eux. Et dans un autre verset aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. C'est-à-dire, c'est à leur mari tout le droit de les reprendre, bien sûr, en temps de viduité, pendant la période de viduité, les parents n'ont pas à faire pression sur leur fille pour qu'elle ne retourne pas au foyer conjugal. Parce que c'est un droit du mari, sauf s'il y a bien sûr une atteinte peut-être à sa vie d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, pendant la période de viduité, la femme, si son mari la reprend, c'est-à-dire qu'il change d'avis, il dit que tu n'es plus divorcée, oui. C'est de son droit, déjà au mari, de la reprendre. Et personne ne peut séparer un époux d'une épouse pendant la période de viduité. Si la période de viduité s'écoule, là, la femme, elle a toute la liberté de reprendre le mariage avec son ex-mari, on va dire, son ex-mari, et qu'il se marie avec un nouvel, bien sûr, acte de mariage. Et aussi, ses parents n'ont pas de parole à dire dans cela, car Allah subhanahu wa ta'ala a certifié avec un verset en disant wala ta'dhuluhunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradaw baynahum bil ma'ruf. Très bien, docteur, merci. Nous avons au bout du fil Soraya de Lille. Soraya, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, marhaba. J'ai deux questions. Je sais que vous avez rigolé, mais j'ai entendu ça et ça m'inquiète. La très première bien. Question, c'est que je suis gauchère. Vous êtes gauchère. Ah, très et bien. On m'a dit que c'est haram d'utiliser la main gauche pour manger, pour manger. J'essaie le fluvodone. Surtout pour normal, manger. Hein. Ouais. Mais pour manger, je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Je me rappelle quand j'étais jeune, petite, mon père, il m'essayait de me mettre à côté de lui, d'essayer de m'obliger à manger avec ma main droite, mais je ne peux pas. Et vous savez, tout le monde sait que c'est scientifique, c'est vraiment, c'est le cerveau qui est à l'envers chez les gauchers. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Surtout pour manger. Et votre deuxième question? Ma deuxième question, on nous a dit que nous, les émigrés, إلا كتبنا ربي ومتنا هنا في الخارج إلا دفنونا هنا ربي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشفعش فينا هذه خوفونا بها مون في كي فا موسكي اون لي ا دي سا لا تامي دي سي الايمان دو لا موسكي كي لو افي دي سا جي دي با نو في دو نوتر ميو بور ايفيتي كون سوا اون تيريتي ان فرانس مي بون ça arrive, c'est pas savoir. Non, je sais pas quel imam qui dit ça, mais... je sais pas, c'est... Et j'ai une question, mais elle est très, 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 très compliquée. Je l'ai racontée à la dame qui m'a accueillie au téléphone. Oui, je demanderai votre numéro direct pour que personne n'écoute ce que je viens de dire. Je vais dire, mais elle m'a dit que ce n'est pas possible. Parce que je ne peux pas le dire comme d'accord. ça
au vice parce que peut-être il y en a d'autres qui entendent cette question. Et très bien, on va vous donner le numéro de téléphone, docteur Djouhri. Pardon? On va vous donner le numéro de téléphone d'un docteur Djouhri pour... je veux bien. Inch'Allah. Très bien sûr. Attendez deux secondes. Non, c'est la régie. C'est la régie qui va vous donner le numéro. Ah, c'est pas vous, d'accord. Ah, d'accord. Ok. Merci bien, monsieur. Bonne journée. Allah est seul, mec. Très bien. Alors, pour la première question, c'est-à-dire... c'est que le souhait du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est que nous faisons nos choses et puis le fait de manger aussi. Mais si quelqu'un en a l'habitude en quelque sorte d'utiliser sa main gauche, il n'y a pas de souci dans cela, malgré qu'il y ait un certain hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à quelqu'un d'utiliser sa main droite, et l'autre a répliqué en disant je ne peux pas, hein. Et le prophète alayhi wa sallam a mal reçu en quelque sorte sa réponse parce que il voit qu'il peut faire l'effort, qu'il peut faire l'effort. Voilà. C'est pas la mer à boire. C'est pas de la mer à boire. Essayez de faire un petit effort comme ça. Mais si ça vous dépasse, il n'y a pas de souci dans ça. Hein. Pour la deuxième. La deuxième question, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et cet imam-là. Cet imam-là, déjà, il vit dans un pays non musulman. Alors s'il est convaincu de ses dires, non, c'est pour l'enterrement. Voilà, même pour l'enterrement, que feront-ils les musulmans néo-convertis, c'est-à-dire. Donc c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, il y a une belle organisation chez les communautés musulmanes dans les pays européens ou américains, etc., où ils achètent des morceaux de terrain pour faire des cimetières, où ils achètent des carrés pour les musulmans. Donc, et il n'y a pas de souci dans tout ça. Inch'Allah. Docteur Djouhri, on a deux questions là, elle a deux questions concernant la salat. Lorsque l'on pratique nos salats, je souhaite savoir pendant la pratique des salats, à laquelle faut-il ressortir sur le côté pied droit? Ça, c'est un détail. Bah, c'est un détail dans la prière. Je m'excuse. Nous avons modifié M. Samir de Marseille. Allô, c'est Samir. Allô? Allô, oui, marhaba. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Salam alaikum, salam. J'ai une question à vous poser. Oui, oui. En fait, moi, je vis à Marseille. Ça fait 15 ans que je vis en France. Et je travaille. Je suis père de famille. Et ma question, c'est la suivante. En fait, que je travaille de lundi au vendredi. Et en fait, c'est par rapport à mes prières. Je ne peux pas faire mes prières à l'heure. Mais 5 prières. Par rapport à mon travail. Et le Jumu'ah aussi. Je n'ai jamais fait le Jumu'ah. Voilà. Et parce que j'ai entendu un hadith du prophète, alayhi salatu salam. Ana bari'un min tout ce qui est ma communauté qui vit bain al-dhahrayn et mushrikin. Non. Ça n'a rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir avec cela. D'accord. Et par rapport à mes prières, que je ne peux pas faire? Enfin, par rapport aux prières, il va vous répondre tout ce jour, monsieur. Marhaba. Bon, déjà, concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ana bari'un mimman 'asha bayna dhahrayn al-mushrikin, ça veut dire qu'il dégage toute responsabilité politique. On va dire, le prophète alayhi salam dégage toute responsabilité politique dans un contexte historique où il y avait guerre entre les mouchriquines et les musulmans, etc. Et puis il y avait en ce temps-là l'obligation de l'immigration vers Médine pour chaque musulman qui embrasse l'islam. Alors ce hadith-là, on va pas le prendre et l'appliquer sur
tous les temps de la période du prophète jusqu'à aujourd'hui. Ça rentre dans le contexte de cette époque, cette époque-là. La deuxième chose, c'est que les prières se rassemblent, walillahi alhamd. C'est-à-dire, vous avez tout, toute l'habilité, si vous voulez, ou la capacité de rassembler vos prières pour qu'elles soient agréées par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant des prières accomplies dans leur temps. On peut rassembler Dhuhr et l'Asr, que ce soit au début du temps de la prière de Dhuhr, ou là, au début, même après, pendant le temps de la prière de l'Asr. Comme vous pouvez rassembler les deux prières ensemble, le Maghrib et l'Isha, dès le coucher du soleil jusqu'au temps qui se rapproche de l'aube. Le Fajr. Oui. Voilà. Alors, vous avez en quelque sorte cette brèche-là qui est ouverte, Inch'Allah, pour essayer en quelque sorte de... L'effort. Voilà, et puis il faut faire l'effort. Oui. Pour la prière du vendredi, si vous n'avez pas la capacité de la faire, vous êtes exempt, c'est-à-dire vous êtes dispensé de cette prière-là. Vous la faites comme ça. Vous la faites, Rabba Raka'at, Dhuhr, et Allah subhanahu wa ta'ala va accepter votre intention parce que vous n'avez pas choisi. Le prophète, alayhi salam, dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir fa'alihi l'jumu'atu yawm l'jumu'a illa mra'atan aw sabiyyan aw maridhan » ou musafirin ou mamlouka. C'est-à-dire, il y en a cinq qui sont dispensés par rapport à la prière du vendredi, c'est la femme, l'enfant. C'est par analogie. Al-mamlouk, celui qui ne détient pas, celui qui n'a pas de choix. Ouais. Il ne détient pas sa liberté. Très bien. C'est ça. Alors, il y a la femme, l'enfant, il y a le malade, il y a le voyageur, et celui qui ne détient pas sa liberté. Très bien. Revenons à la question. À laquelle faut-il ressortir sur le côté, j'ai pas compris. C'est-à-dire, en s'asseyant, avec quelle manière doit-on s'asseoir pendant la prière pour faire le teshahoud, etc. Il y a plusieurs manières, c'est un détail, et le prophète alayhi salatu wassalam a fait à peu près 4 ou 5 manières. Il s'est assis sur les doigts de 6 pieds, il s'est assis sur les deux pieds, en allongeant, c'est-à-dire les deux pieds comme ça, il s'est assis dessus, il s'est assis sur le pied gauche, en dressant à côté le pied droit, il s'est assis aussi directement par terre, en pliant le pied gauche sous le pied droit. Il y a plusieurs manières, et puis à chacun sa manière avec laquelle il sera apaisé pour bien faire sa prière. Et à chacun aussi, à chaque moment, parce que parfois on accomplit sa prière sur une terre dure, peut-être parfois sur du gravier, parfois... Ça dépend par rapport à quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui est Voilà, c'est ça. À chacun sa manière. Voilà. Sa deuxième question, l'autre question, c'est la même question. Par exemple, si je dois rattraper mes 5 salats en 2 ou 3 jours ou 8 jours, faut-il commencer par le retard et suivre celle du jour ou alors celle du jour et le retard? C'est-à-dire commencer par celle de sobre retardé, je fais très bien, celle... très bien, très bien. Alors, il y a une règle, on va dire. Moins de 5 prières à rembourser, on doit observer l'ordre chronologique. Il faut commencer déjà par la précédente. C'est-à-dire, si j'ai 2 salats à rembourser, et puis Subh et Dhuhr, et puis le temps de l'Asr arrive, je vais d'abord commencer par Subh, et puis par Dhuhr, et puis je vais faire ma prière de l'Asr. Si ça dépasse
5 prières, c'est-à-dire ça dépasse une journée. Là, je commence par celle qui je est peux ne pas présente. Respecter le... Et je même peux je ne peux ne pas respecter pas l'ordre des prières. Très bien, Dr. Djouhri, nous allons faire une toute petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرحوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع رسول الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مدام ميسيو. D'abord, nous avons au bout du fil Madame Karima de Paris. Allô? C'est Karima, oui. Karima de Paris. Oui. Allô? Madame Karima? Elle est partie. Allah est bien. Salam alaikum. Alaikum salam. Je vous regarde tous les dimanches. Je vous regarde tous les dimanches votre émission. Je voulais savoir si l'alcool est halal ou pas dans les chocolats ou les yaourts ou les gâteaux. Merci. L'alcool. Voilà. Bon. Il vaut mieux éviter de les acheter, bien sûr. Alternative. On a beaucoup de voilà une multitude d'alternatives. Chercher d'autres gâteaux, d'autres biscuits, je sais pas, d'autres chocolats, d'autres yaourts. Du moment qu'il y a le choix, inchallah, ne vous mettez pas dans le doute, l'embarras. Voilà. En tant que musulman, c'est un engagement. Voilà. Et je dois faire tout l'effort pour être en conformité avec ma religion. Très bien. Anna hadous mahalal, hadous mahalal. Là, il faut l'effort. Les hadous mouhoukoum teklif, c'est une charge. C'est une charge. Très bien. C'est un engagement. Il y a un ladin amanos, c'est un engagement. Ouais. Donc, il faut faire l'effort. C'est ça. C'est pas. Ce n'est pas une chose nécessaire. C'est des choses facultatives. Les gâteaux, les chocolats. Et c'est pas une chose nécessaire. C'est pas une contrainte, c'est ça. Et puis on a émis déjà une fatwa concernant la gélatine, que ça soit animal ou bien sûr précisément porcine, etc. On a eu le courage de dire que cette substance-là, si elle rentre dans un aliment, etc., elle ne le rend pas illicite. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu transformation totale, c'est-à-dire de la molécule. La structure moléculaire. Voilà. Mais concernant l'alcool, je sais pas est-ce qu'il y a une transformation ou pas, parce que ça rentre directement. Voilà, il y a eu aucune transformation. Aucune. Alors l'alcool reste l'alcool. Sur sa nature première, on va dire. Faqaliluhu haram, kima qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Bon, j'ai un énorme souci dans la maison. Oui. Je suis divorcé, j'avais un petit garçon. D'abord, si d'accord. Vous permettez, docteur Djouhri, on a madame Abla de Lyon. Je vous en prie. Allô, oui. Allô, j'ai été opérée d'une. Je me rappelle plus. On m'a enlevé 1m20 d'intestin grêle. D'accord. Et pour le ramadan, est-ce que je le fais ou je le fais pas? D'accord. Elle a consulté son médecin. Très bien, madame. On va vous répondre, Inch'Allah. Rabbi, je veux que je fasse, Inch'Allah. Elle est en plein convalescent déjà. Déjà, elle doit consulter déjà son médecin. C'est l'avis du médecin. C'est toujours l'avis du médecin qui détermine ces choses-là. C'est ça, d'accord. C'est la règle. Et puis, du moment que cette intervention-là était très proche, en quelque très sorte. Très récente. Elle est récente, voilà. Elle est en plein convalescent. Voilà. Donc elle est en plein convalescent déjà. Elle ne doit pas prendre les risques pour faire le mois du Ramadan, du moment qui sera, Inch'Allah, en été. Même après, voilà. C'est... Même après, ça, c'est après consultation de votre médecin. Voilà. Très bien. Bon, j'ai un énorme souci dans la maison. Je suis divorcé, j'avais un petit garçon. Lorsque je me suis remarié, tout va bien. J'ai eu 3 filles. Mon fils, en grandissant, l'a très mal vécu. Son père n'a jamais voulu le voir. Maintenant, il vit avec une Française non musulmane, une chrétienne, qui ne demande qu'à réfléchir. Peut-être qu'elle se convertirait, mais je veux que cela vienne d'elle, bien sûr. Ils ont un petit garçon de 2 mois, déjà. Mm-hmm. Ma question, peuvent-ils faire le halal et vivre ensemble? Je sais pas, depuis que mon mari a demandé à un imam, c'est devenu invivable. L'imam a dit à mon mari, ils vivent dans le haram. Leur fils est né dans le haram. La femme ne doit pas rentrer dans ta maison. C'est haram.
Je ne sais plus quoi faire, comment essayer d'arranger les choses. C'est mon fils et mon petit-fils, bien sûr. Dites-moi quoi faire. Je vous remercie infiniment. C'est compliqué, oui. C'est un peu compliqué, mais ça rentre dans ce qu'on appelle هل يحق زواج الرجل بمن زنى بها. Et là, dans une école très célèbre dans la jurisprudence musulmane, l'école hanafite, c'est permis. C'est-à-dire, si vous cherchez en quelque sorte un imam hanafite, et il vous règle, inshallah, le problème, même un autre imam qui n'est pas de cette école-là, il va prendre en considération l'avis de l'école hanafite dans ce domaine-là. Et ça sera, inshallah, dans le mariage. Dans le plus tôt possible, bien sûr. Mais concernant, bien sûr, ce garçon-là, du point de vue religieux, oui, c'est un enfant de fornication. Mais du point de vue d'état civil, etc., il en a un père. Il est affilié à la loi française, il est affilié à sa mère, à son père. Il n'y a pas de souci concernant, inchallah, son devenir ou son avenir. Reste que ce n'est pas une condition que cette femme-là, c'est-à-dire se convertisse à l'islam. Même étant pour chrétienne, chrétienne, il peut faire le halal avec une chrétienne. Et faire aussi un mariage civil. Ils peuvent faire un mariage civil. Et nous avons bout du fil, Madame Sabrina de Marseille. Allô? Allô, oui. Oui, marhaba. Oui, bonjour. Bonjour, oui. عندي مشكل خويا، عندي زوج دراري اونديكابي. ربي يقويك عليهم. جي دو زونفون اونديكابي اي جو فو ان اوتر، مي جو بور كي فافواغ اونديكابي، انا ما حبيتش نطيحو بعد وليدي سي لافان، سي لا ميم شوز، جو فافواغ نطيحو. Vous l'avez déjà? Ah, est-ce que vous êtes enceinte? Vous êtes enceinte déjà? Vous non, êtes enceinte? Non, je voulais un autre enfant. Ah. Est-ce que c'est sur... Quelle est sa question? Non, je ne suis pas enceinte, mais j'aimerais bien. Au cas où? Hein? Au cas où il va s'avérer qu'il est handicapé. Il est handicapé, elle peut avancer. Parce que c'est peut-être qu'il va avoir le même problème. Mm-hmm. Ah, d'accord. À 3 mois, ils vont l'enlever si elle aura le même handicap que ses frères. Oui. À 3 mois. Voilà. Ils ne peuvent pas détecter l'handicap avant 3 mois. Le même problème que ses frères. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas détecter l'handicap avant 3 mois, c'est ça. Et mais cet handicap, un handicap, il peut vivre avec. C'est-à-dire, quel handicap? On ne peut pas élever trois handicapés quand même. Mais non, non, mais quand même, il a le droit de vivre. Mais est-ce que c'est vraiment la science exacte? C'est-à-dire, il sera handicapé. Est-ce que c'est sûr? Par rapport à... Maître Migari, c'est pas important ça. C'est ce qui est important, est-ce que les handicapés n'ont pas le droit de vivre? Vous avez un enfant handicapé, Rabbi b'talak, c'est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a l'espoir. Elle a l'espoir, même qu'il soit handicapé, il faut le préserver. On ne permet l'avortement, c'est-à-dire, sauf s'il y ait un danger guettant la mère. Avant 4 mois. Non, même avant 4 mois, moi je ne donne pas de fatwa. Mais il y a d'autres avis. Moi je ne penche pas vers ces avis-là. Si, il y a d'autres avis. Même le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une divergence entre les savants de l'islam. Le hadith connu, célèbre, de Sayyidina Abdullah ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح 4 أشهر
Il y en a qui disent ce n'est pas 4 mois, c'est toutes ces étapes-là se passent les 40 premiers jours ou les 42 premiers jours. Précis le 4e mois, avec le mutlaq yuhmal al muqayyad. Wallahu a'lam. Bien sûr. Mais moi, c'est-à-dire pour ma conscience, on va oui, dire. Oui, pour notre école, voilà, pour apaiser ma conscience, l'avortement n'est permis que s'il y a un danger qui guette la mère. C'est la réponse du docteur Touré. Très bien. Un handicapé a tout le droit de vivre. Voilà. Mon mari est atteint de la maladie de Crohn, qui est une maladie chronique qui nécessite un traitement hebdomadaire, sans quoi l'inflammation des intestins revient, ainsi que tous les autres symptômes, soit diarrhée, douleur articulaire, fatigue, etc. Alhamdoulilah, il est sous traitement qui lui permet de mener une vie normale. L'État français qu'il a déclaré handicapé suite à cette maladie lui permet d'avoir à son compte une personne aidante pour la vie de tous les jours, pour le ménage. Là, c'est dans la vie de tous les jours qui est rémunérée. Voici la question. Oui. Étant son épouse, je pourrais être candidate à ce poste, mais je me demande si c'est halal de prendre cet argent vu que Allah nous recommande de bienfaisance envers notre époux. Devons-nous renoncer cet argent et ignorer cette proposition de l'État, M. Douhri? Non, il n'y a pas de souci dans cela. Du moment que vous allez honorer cette tâche-là du mieux qu'il convient, c'est-à-dire même que vous soyez son épouse, il y a beaucoup mais tout en préservant le sentiment de devoir en votre contre. Voilà, mais être rémunéré pour ça, oui, c'est permis. Pourquoi pas? D'ailleurs, il y en a beaucoup de savants dans l'islam qui disent que la femme n'est pas obligée à servir en quelque sorte son mari dans les tâches ménagères. Oui. Alors là? Ben oui, il y a cet avis-là. C'est-à-dire, il y a une divergence entre les savants de l'islam, ce qui nous pousse à dire que toutes les femmes qui font ménage à la maison, qui essayent d'entretenir leur mari, etc., font cela par charité. Par charité, yani tatasaddaq ou ikram pour son mari, mais pas par obligation. Normalement, c'est au mari d'avoir peut-être quelqu'un qui va payer pour les tâches ménagères à la maison. Là, c'est un avis d'un grand nombre de savants de l'islam, même dans notre école malikite. Voilà. Alors, le problème c'était se poser si elle a dit par exemple si je n'aurais pas cet argent je mais puisque c'est l'État qui propose, il n'y a pas de problème, docteur Djouri, tout en préservant le sentiment de l'obligation envers son époux. L'obligation de votre... Non, c'est pas une obligation, je le dis et je l'assume. Non, c'est moral. C'est un engagement voilà, moral. Voilà, c'est un engagement moral. C'est la coutume, c'est la tradition, etc. Je suis d'accord. Mais être une obligation religieuse, sauf s'il l'ordonne à faire peut-être une chose qui concerne le couple, etc. Mais sinon, le prophète, en rentrant à la maison, il faisait en quelque sorte les tâches ménagères avec ses femmes. Il se servait, je sais pas, pour boire, pour manger, pour même coudre, vous le savez ça. Mais la morale dit qu'il y a de l'entraide entre les deux époux, bien sûr. Dans cela, c'est de l'amour, de l'affection qui lie les deux maris, mais pas par obligation religieuse. Je l'assume. Docteur Djouri, merci pour vos réponses. Chers soeurs, chers frères, d'abord je vous rappelle que nous pouvons avoir ou recevoir vos commentaires, vos avis à travers la page Facebook qui va s'afficher sur l'écran. Nous serons très contents à recevoir vos commentaires et vos avis, Docteur Djouri. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, donc, on fait la ayat illahi wa hifdeh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.